Salut tout le monde, c'est Théo Cormier pour Guitare Extrême Magazine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des chromatismes. Les chromatismes, ce sont des notes de passage qu'on peut utiliser dans nos solos ou nos impros pour sonner de façon un peu plus jazz, fusion. Et c'est un excellent moyen en fait de se libérer de la pentatonique et de la gamme majeure. Donc si vous sentez un peu prisonnier de ces gammes, ça va être un outil très utile pour sortir et pour amener quelque chose d'intéressant dans vos solos. C'est ce que beaucoup de guitaristes utilisent en général justement pour créer de la tension, des tensions dans leur solo et sonner out, c'est-à-dire en dehors de la tonalité. Parmi eux, on peut citer Luke Trigovan, Alex Hutchings, Joe Passé des meilleurs. Pour inclure des chromatismes dans vos solos, donc je vous conseille de vous baser par rapport à la penta et de remplir, de combler les vides en fait, c'est-à-dire si je prends ma première position de pentatonique de mi mineur, donc qui se trouve à partir de la case 12. Sur la première corde, je vais avoir case 12 et case 15. Et en fait, je vais simplement combler les vides, c'est-à-dire 12, 13, 14, 15, donc mi, fa, fa dièse, sol. Et on peut faire ça sur toute la penta, sur toute la position. Donc à vous d'essayer ça sur toutes les positions pour essayer de créer des leaks, des phrases qui sonne d'enfer grâce au chromatisme. On passe tout de suite au premier plan. C'est parti. Donc le premier plan, je vais commencer par un bend sur la corde de si en case numéro 15. Et je vais aller chercher tout de suite le barré sur la case 12. Ensuite, je vais atterrir sur la case 15 de la corde de mi, faire un pull-off jusqu'à la case 12. Et c'est là que va commencer le chromatisme, donc je vais aller jusqu'à la case 14, puis revenir à la case 12 sur la corde de mi. Pour ensuite descendre toute la penta en chromatisme sur la corde de si. Pour l'instant, on a... Ensuite, je vais passer par la blue note, donc en case numéro 15, et faire un pull-off de la case 14 à la case 12 sur la corde de sol. Pour atterrir sur la fondamentale, sur la corde de ré. On passe tout de suite au plan numéro 2. Le plan numéro 2, je vais le commencer sur la deuxième position de la pentatonique. Donc je vais aller chercher la quarte, la blue note et la quinte. Et ensuite, je vais avoir un pull-off donc sur la corde de si, de la case numéro 15 à la case 14. Donc je vais aller chercher la sixte majeure. Je reviens sur la quinte, sur la corde de sol. Et là, je vais avoir ce que j'appelle une note bourdon. C'est-à-dire que je vais la faire sonner au fur et à mesure. En fait, je descends chromatiquement la corde de si, mais en gardant la note bourdon. Et ensuite, je descends de la même façon que tout à l'heure sur le premier plan, je descends chromatiquement la corde de sol. Après, je descends la penta avec un système. Et je finis sur la corde de la, donc tout en pull-off, en passant par la blue note, et un slide pour atterrir sur la tierce mineure. Je le refais une fois. On peut tout de suite passer au troisième plan. Le troisième plan, donc celui-ci, va être en double croche. On était sur un batting track avec des doubles croches ternaires. Donc si on a notre tempo ici, 1, 2, 3, 4. Voici le plan. Une deuxième fois. Donc ici, on se trouve sur la quatrième position de la pentatonique. On va commencer par la septième mineure de mi. On descend chromatiquement jusqu'à la case 8. Et je vais repasser par la septième. Et je vais aller chercher la quinte à l'aide d'un slide depuis la case 6. Pour ensuite redescendre la penta. Case 10, 8, 9. Ensuite, je vais avoir sur la case 7 et 8 en corde de si. Et
Et là, je vais descendre chromatiquement donc la corde de sol à partir de du mi. Pour finir par entourer ma note d'arrivée, qui est la tierce. Donc je vais arriver un demi-ton au-dessus de la tierce. Ensuite, je vais passer un demi-ton en dessous de la tierce pour finir sur la tierce. Voilà, c'était Théo Cormier et on se dit à très bientôt. Salut!